Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce Dro Trollman Dro Show de 2019 sur la caricature du streamer Niamor TV dont je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve pour la fin pour les quelques descriptions. Voici, nous voilà arrivés à la fin de ce Dro Trollman Dro Show de 2019 sur la caricature du streamer Niamor TV qui faisait du Apex Legends, hein, tout jeu fraîchement sorti, hein, un battle royale de son état. Donc, ce dessin, il était en combat contre des adversaires et malheureusement, ce n'est pas lui qui a réussi à le faire tomber, mais il s'est retourné, il a vu qu'une caisse avait changé de couleur. Alors, je connais pas très bien le jeu, hein. Je suis pas très connaisseur de ce genre de jeu, mais je regarde quand même, mais apparemment la couleur de la caisse qui permet d'avoir des loot, avait, je pense, changé de couleur, ou il s'en est pas aperçu qu'elle était de cette couleur. Donc pour rigoler, pour ce dessin, j'ai voulu faire dire un truc du style c'est pas moi qui tombe les ennemis, mais c'est moi qui change les couleurs des caisses. Voilà, c'est un petit truc rigolo, hein. Je répète, hein, les Dro Trollman Dro Show
malgré que voilà le nom de l'émission, c'est juste une petite caricature gratuite pour des streamers Twitch que je sélectionne aléatoirement. Hein. Alors, si vous demandez comment je fais, en fait, je sélectionne grâce à random.org eh bien, un chiffre entre 0 et 244. Ne dites pas pourquoi 244, c'est parce que j'avais fait entre 0 et 1000 et c'était 244 qui était tombé à l'époque où je l'avais fait. J'avais commencé ça en 2015 et depuis je bloque à 244. Voilà. Donc je pourrais pas aller plus loin que 244 streams. Voilà. Généralement, de toute façon, dès qu'on arrive au-dessus des 200e stream, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de vues, donc c'est toujours sympathique de les faire. Donc voilà. Donc c'est ça que sert l'Hédro Trollmadro Show. Hein. Voilà, une petite pub pour ces personnes, pour que vous puissiez, peut-être si vous êtes intéressé, aller le voir. Hein. Vous avez le lien de sa chaîne en dessous dans la description de la vidéo. Hein. N'hésitez pas à aller le voir. Et n'hésitez pas de le faire aussi pour les précédents Trollmadro Show pour découvrir eh bien, ces streamers ou streameuses qui font eh bien, voilà, différents styles de jeu. Il y a différents styles de jeu, il y en a pour tous les goûts. Hein. Je n'ai pas de sélection, hein. je ne vais pas caricaturer des jeux que j'apprécie, non, je caricature sur ce que me fait tomber le random.org, bien sûr. Donc n'hésitez pas à y aller. Sinon, n'hésitez pas, si vous voulez, vous appréciez tout cela, de faire ce qui va apparaître à l'écran, hein. Pouce levé, appuyez sur le pouce levé, ou de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, hein, bien sûr. Et vous pouvez aussi, alors un peu plus en dessous de la description de la vidéo, vous avez tous les liens des réseaux sociaux pour en savoir plus sur ce qu'est la Salut Tout Le Monde, les gens prod, et aider celle-ci. Comment le faire ? Eh bien, en partageant, en retweetant, selon votre préférence de réseaux sociaux, les différents posts de ceci. Hein. Donc voilà, comme ça, ça fera une meilleure visibilité. Des gens qui viendront interagir ou dans les vidéos ou dans les posts de ceci pour eh bien, donner leur avis, critique ou poser des questions ou encourager aussi. Donc ça aide tout ce que j'ai dit là, ça aide toujours. Hein. Par contre, je préfère prévenir, mais tous commentaires insultants, ils seront supprimés. Les seuls commentaires négatifs que je garde, c'est les critiques négatives, justement. Parce que ça aide à l'amélioration de la chaîne et ça fait toujours plaisir de voir ça, qu'il y a des gens qui sont, même malgré qu'il y a un truc qui ne leur plaît pas, et bien sont toujours là pour indiquer quelque chose de sympathique. Donc voilà, pour moi c'est sympathique parce que voilà, ça aide. Donc voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi et vous donne rendez-vous et bien une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.